Bonjour à toutes et à tous, et dans cette vidéo, c'est Momo avec vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur ma chaîne YouTube, puisque cette vidéo est en partenariat avec Panini. Et qu'est-ce que nous allons voir dans cette vidéo? Eh bien, je vais vous présenter l'album de stickers du Tour de France 2021. Donc, je l'ai ici en pack de démarrage, ainsi que des boosters supplémentaires, et je remercie Panini pour l'envoi de cet album avec les boosters supplémentaires. Donc, on l'a ici, voilà, avec 4 boosters inclus. Et ensuite, nous avons les 8 boosters supplémentaires qui sont ici. Donc, on se retrouve tout de suite sur la table pour voir tout ça en détail. C'est parti! Donc voilà les amis, on a l'album de stickers qui est ici, donc on va le prendre tout de suite. Et là, comme vous pouvez le voir, il est en relief. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, si un petit peu ici, voilà. Donc l'arrière, il est comme ça. Et on va le survoler rapidement. Donc on va l'ouvrir et là déjà, on nous présente un peu les symboles, les stickers. Et après, je pense que c'est... Ouais, les paysages sont beaux, mais on nous montre en fait, voilà, vainqueur d'étape, les châteaux de France, et plein de trucs comme ça. Donc voilà, là on a les teams en fait, voilà, Cofidis, qui est team française, Deceuninck, qui est une team belge, Ineos, qui est une team anglaise, Jumbo, qui est une team hollandaise, et plein de trucs de team comme ça, une team australienne, Total Direct Energy qui est une team française. Et là, on a tous les vainqueurs depuis 1903, donc si vous voulez lire, vous ferez pause. Donc on passe tout de suite aux stickers. Les albums, ils sont là, enfin les albums, les pochettes. Donc on va les ouvrir tout de suite et on va voir qu'est-ce qu'on a comme sticker à l'intérieur. Donc on va ouvrir à l'envers pour ne pas se spoil pour le premier. Et nous avons Nelson Paulès de la team EF, Anthony Perez de la team Cofidis, Mikel Kiawantunski, j'arrive pas à le prononcer, Tadej Pogacar de la team UAE et Benoît Cosnefroy de la team AG2R Citroën. Donc on passe au suivant. Donc nous avons Jésus Errada de la team Cofidis. Là, nous avons une arrivée sur une étape. Là, nous avons Patrick Bevin de la team Israël. Donc là, on a un maillot jaune. Et là, nous avons Olivier Legac, qui est un Français de la groupe FDJ. Voilà. Ensuite, on passe sur le suivant. Donc là, on a un vélo de la team Bahrain. Ensuite, nous avons 16 balles. Ensuite, on a encore un vélo de la team EF. Ensuite, nous avons Nance Peters de la team AG2R Citroën. Et Dylan Van Barle. Ensuite, on passe au suivant. Hop, donc là, on a le vélo de la team FDJ. Ensuite, nous avons Domenico Pozzovico Vo. Donc là, on a le vélo de la team Cofidis. Là, on a le vélo de la team, ça a l'air d'être Intermarché. Là, nous avons Lénard Kamna. Et là, j'en ai sauté un, je crois. Non, ok. Donc, ça fait beaucoup de vélos, hein. C'est bien, hein. Ça permet de les compléter plus rapidement. Donc là, nous avons Diego Rosa. Ensuite, nous avons Mikel Landa. Ensuite, on est sur une épreuve. Encore sur une épreuve avec la team EF. Et là, nous avons Omar Frel. Ensuite, on passe au suivant. Donc là, nous avons Fernando Gaviria.
Donc là, on est encore sur une épreuve, étape numéro 19. Là, on a le logo de la team Astana. Là, on a Pierre Latour de la team Total Direct Energy. Et là, nous avons Carlos Verona de la team Movistar. Hop. Là, nous avons Jacques Bauer. Ensuite, nous avons Mattia Cattaneo. Ensuite, on est sur une épreuve avec la team Total Direct Energy. Ensuite, nous avons Michael Morkov. Et nous sommes sur une épreuve avec l'équipe Trek. Ensuite, on passe au suivant. Avec Thomas De Gend, Victor Kampenert, Giulio Siccone, Yukiya Arashiro et Nicolo Bonifacio. Ensuite, hop, ça va, en plus ils s'ouvrent facilement, les stickers sont de très bonne qualité. Ensuite nous avons Hugo Hull qui est un Canadien. Donc voilà. Ensuite nous avons le vélo de la team Intermarché. Ensuite nous avons le vélo de la team Bike Exchange. Ensuite nous avons Philippe Gilbert et Jacopo Garnieri. Ensuite, hop. Donc là on a encore un vélo visiblement. Donc là c'est encore un vélo de la FDJ. Ensuite, nous avons Robert Gesink. Ensuite, nous avons l'étape numéro 14 et ça fait penser un peu à la cathédrale de Reims. Vous me direz dans les commentaires. Donc ensuite, on est encore sur une étape. Et le logo de la team Bahrain Victorious. Ensuite, nous avons un maillot, celui de la team Grenadier. Quand je pense qu'ils vont être fabriqués à Ambar. Ensuite, nous avons Julien Bernard, Daryl Impey. Ensuite, nous avons le vélo de la team UAE et Rigoberto Urán de la team EF. Et The Last Pack Booster. Nous avons Rafal Machka, Dries De Bunt. Donc là, on est encore sur une épreuve avec l'équipe UAE. Le maillot de l'équipe Bike Exchange. Et Kenny Ellisonde de la team Trek Sagafredo. Donc voilà, les amis, on se retrouve tout de suite pour se dire au revoir. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. On se retrouve très bientôt. Allez, bye bye les amis. Tchuss !